Salut filles, bienvenue sur la chaîne Marjane et Ami PT. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le coup, puisque j'ai reçu un petit quelque chose que je pense que je ne sais pas vraiment supposé savoir. Donc, c'est pour ça aussi que vous me voyez avec mes lunettes. Parce que j'ai décidé de filmer ça sur le coup, puisque je viens de recevoir un petit colis que j'ai vraiment envie de vous filmer. Donc, avant tout, j'aimerais dire que la fin de semaine prochaine. Je m'en vais à Tremblant, donc je pars samedi matin. Je vais peut-être vous vlogger un peu ma fin de semaine à Tremblant, vous montrer un peu mon petit week-end. Donc ça va être mon premier vlog, donc je devrais. Mais vous allez voir en fait la vidéo comme du samedi le lundi et du dimanche le jeudi. Donc ça sortira pas sur le coup, ça va sortir le jour où est-ce que je sors toujours mes vidéos. Mais sinon, on passe maintenant à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, comme pour ceux qui me suivent, j'avais fait une vidéo comme quoi je m'étais abonnée un mois à Topbox. Sauf que là, je viens de recevoir pour le mois de février. Ça me surprend. Mais je suis contente pareil. Donc, on va découvrir ensemble le contenu. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. N'oubliez pas de mettre des petits thumbs up. Nous, ça nous fait vraiment plaisir là, quand on voit que ça augmente. Et de vous abonner, c'est gratuit. Et nous, ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et allez voir nos anciennes vidéos, ça aussi, ça nous fait. C'est le fun à savoir. Donc, j'avais déjà ouvert le paquet parce que j'avais pas envie de vous montrer l'ouverture du paquet. En plus, c'était super bien fermé. En fait, c'est vraiment bien protégé. Hein. Dedans, il y a du papier bulle, tout. Moi, je vous le conseille. C'est superbe, quoi. Donc, comme celle du mois de janvier que j'avais reçue, elle a encore la même forme, le même décor. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais l'utiliser pour ranger, je ne sais pas encore quoi, mais je vais le trouver. Donc, c'est vraiment ça, c'était celle du mois de janvier. Et ça, c'est celle que je viens de recevoir, qu'on va découvrir. Donc, c'est sûr que je vais les utiliser. Donc, je sais que celle-ci que j'avais reçue au mois de janvier, elle décollait un peu. Mais celle-ci, elle a quand même assez bien fermée. Pour ça, je suis contente. En fait, moi, pour celle du mois de janvier, j'ai stocké dedans deux mes trucs à vernis. Donc, j'ai mis le vernis à ongles que j'avais reçu de Deborah Lipman et un petit... une petite base. Bon. Mais là, ensemble, on va découvrir la top box du mois de février. Donc, est-ce que c'est un spécial Saint-Valentin? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait par exprès. Est-ce que c'était. Je sais pas comment ça je l'ai reçu, mais je suis contente pareil. Donc, quand que je l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, il y a le petit carton. Et. Là, c'est plus comme au mois de janvier. Les produits sont dedans le petit paquet mauve. Et non dans la box qui est protégée par le papier mauve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur mon lit. Le papier mauve. Donc, je vais l'ouvrir. Mais je vais vous montrer produit par produit. Donc, je suis vraiment désolée si le bruit est désagréable. Donc, comme dans la box avant, j'ai reçu 4 produits. Bah là, c'est encore pareil, c'est encore 4 produits. Donc, la dernière fois, j'avais eu une crème à main, un vernis à ongles, un mascara Benefit et une crème solaire avant. En fait, je vais vous montrer. J'avais pas prévu ça. Ça. Bon, mon mascara il est dans mon sac. Ah, je vais l'atteindre. Hop, allez. Donc, j'avais reçu un mascara que je n'étais pas sûre si j'allais utiliser parce que, en fait, j'ai plusieurs mascaras. En fait, j'ai 3 mascaras que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. Mais, j'ai décidé de le commencer pour le mois de février. J'ai décidé de faire une petite exception. Donc, dans la box du mois de janvier, on va voir si ça va être mieux. Si ça va être... bof! On va voir. Donc, j'avais reçu un vernis à ongles. De Deborah Lipman comme je vous ai présenté. Okay. Mais que j'ai pas utilisé encore parce que c'est plutôt une couleur que j'avais reçue. J'ai reçu une couleur plutôt d'été, donc je vais attendre cet été.
J'ai reçu le Roller Lash de Benefit que j'adore. Il fait des styles de ouf. J'ai reçu un perfecteur de visage avec SPF 20 en gel que j'ai pas testé parce que j'attends que l'été arrive. Et une crème à main que j'utilise quelquefois, rarement, mais que j'utilise des fois. Donc là, en fait, les produits sont. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Sont ici. Il y a quelque chose qui sent. Je vous jure, ça sent rien, ça sent assez fort. Donc la première chose que je vois, c'est un vernis à ongles. Encore. Sauf que cette fois-ci, c'est de la compagnie Morgan Taylor. Donc, si on a un 15 ml. C'est la couleur. Bon, j'ai pas le numéro, mais Letter Alligator. Donc, Letter Alligator, donc c'est la couleur que j'ai reçue. Donc, c'est vraiment un vert crocodile, vert alligator. Donc, de Morgan Taylor. Bon, c'est pas une couleur que j'aurais pensé hein, m'acheter. Mais ça va être à tester. Hein. Faut que je fasse mes ongles ce soir. Donc, je vais l'utiliser et je vais pouvoir vous en redonner des petites nouvelles. Par la suite, j'attrape. Ah oui, le vernis à ongles. Je viens de passer un petit pont. Donc, le vernis à ongles est à 15,83. Donc, on va arrondir ça à 15,85. Par la suite, j'attrape un crayon ici. Donc, de la marque Kojalpem Pop. Donc, c'est un crayon. Je sais pas quelle sorte de crayon il est. Bien sûr, c'est les crayons super bien fermés. Oh! Ok. Si je vois bien la couleur, genre, on rigole pas. Ok. Ils ont donc toujours. Je déteste faire ça en direct parce que. Je trouve que c'est un peu désagréable au niveau du son, des fois. Hein. Donc, c'est un crayon pour les yeux. Mauve. Oui. Ben, mauve. J'aurais plus gris mauve dans un sens. Puis, donc, on a l'embout mauve. Et on a un petit pinceau boule au bout. Permet un peu d'estomper le tout. Comme que je viens de faire ici. Pour donner peut-être un look plus smoky. En vrai, ça devient noir quand je travaille avec ça. Ça va être testé. Donc moi, j'ai reçu la couleur Inky Purple. Donc oui, c'est un mauve. Dites-moi si vous commandez à Tabbox, que je vous conseille vraiment. Si vous avez reçu aussi ce crayon-ci de la couleur Inky Purple. Et le petit vernis à ongles Letter Alligator. Les titres sont en anglais parce que ça vient de Toronto, comme ça. Un petit rappel. Par la suite, j'ai trouvé ce qui sent. Donc, c'est un savon au sel de mer. Et, oh my god. Ça sent extrêmement fort. J'ai encore oublié de vous dire que le crayon coûtait. C'est comme on dirait que je m'en rends compte. Le crayon, lui, coûtait 10$. Les 9 grammes. Donc, j'imagine que j'ai eu un full size. Alors, oui, c'est un full size qui vaut 10$. La box, ce mois-ci, c'est la Pop Beauty. Comme ça, là. Je fais une petite... parenthèse. Donc pour en venir au petit savon, donc ça a l'air c'est nature conservancy. Donc c'est assez naturel à ce que je vois. C'est bien. C'est très bien, c'est naturel. Donc c'est Nova Scotia Fishman. Donc c'est au sel de mer. Je vous jure que ça sent fort. Ça sent naturel. Donc c'est une bonne sens. C'est pas très glamour. Je sais pas trop si je vais l'utiliser sur le manche. Ça va être à tester. Donc c'est vraiment. Ça vient du Québec en plus. Avec le Varèche de la Nouvelle-Écosse. Donc c'est vraiment du Canada ou du Québec. Ça c'est génial. Moi je suis hyper contente de recevoir des produits comme ça. Qui viennent d'où est-ce que je suis.
je trouve ça génial. Donc, ce petit savon-ci, nous, on a un 28 grammes. Alors, le petit savon. Le 116 grammes coûte 5,95. Donc, ici, je dirais, je pense, j'ai reçu un échantillon, une miniature. Vous me direz en commentaire, ça, je suis pas super bonne. Le dernier produit que j'ai reçu, donc, c'est un produit Smashbox. Je sais pas qu'est-ce que c'est. En fait, c'est un unificateur de teint. Sauf que là, qu'est-ce qui est la traduction? Mais je l'ai pas, hein. C'est en anglais. Alors, il va falloir que j'aille sur Internet pour voir qu'est-ce que c'est. Si vous savez c'est quoi, juste me dire. En fait, c'est un unificateur de teint. Mais je sais pas à quoi ça sert. Surtout moi, je mets pas de fond de teint, donc ça va être à voir. Ça nous dit que c'est sans huile, c'est non gras. On va voir, je vais m'en mettre un peu sur ma main. Ça a une texture bizarre. Ça a une texture un peu. Ben, je trouve que c'est un peu huileux sur le coup, mais ça rend tout doux. J'aime bien. Je sais pas à quoi ça sert pour de vrai. Juste me dire en bas des commentaires si vous savez à quoi ça sert. Donc ça c'est de Smashbox. Je pense que ça vraiment c'est une miniature parce que moi j'ai eu 7,1 ml. Donc c'est assez petit. Hein? Très très petit. Mais je sais pas à quoi ça sert. Et en plus moi je fais pas mon teint de nature. Alors ça, le 30 ml coûte 44$. Donc ça c'est vraiment une miniature. Donc ça je suis vraiment contente. En fait la box coûte 14$ d'habitude, donc je suis rentrée dans mes prix définitivement. Je trouve ça génial tous les produits qu'on a reçus. Je sais pas pour le savon et ceci. Et même que pour le vernis à ongles, je suis pas sûre de l'utiliser. Mais le crayon, je suis presque sûre. Mais je pense que je préférais ma box du mois de janvier. Je pense que j'aurais bien aimé genre pour la savon te recevoir un rouge à lèvres. Quelque chose de spécial, même avec un petit goodie. Un petit coulisse, je veux dire, ça a été le fun, mais c'est pas grave. Donc, pour mes quatre produits, bon, bien, je suis contente, mais j'ai préféré la box du mois de janvier. Mais c'est très bien, donc je vais aller tout de suite tester le petit vernis à ongles, que ça, j'ai vraiment hâte de tester. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. Les filles, je vous invite à aller voir nos autres vidéos d'avant. J'ai une vidéo qui s'en vient pour ma valise de Tremblant, ça va être la vidéo de jeudi. Et les petits vlogs qui devraient se faire. Je vous dis bye et je vous dis à la prochaine. Bye les filles.